Aujourd'hui, cela fait 500 jours que Stéphane Tapponnier et Hervé Guéquière sont retenus en otage en Afghanistan. Pour ce triste anniversaire, un rassemblement a eu lieu ce midi devant le parvis de l'Opéra de Lille. Une minute de bruit a été observée, symbole fort pour dire au gouvernement qu'il faut accélérer les négociations. Il y a quelques mois, l'État annonçait une libération prochaine, mais rien ne s'est produit. Et depuis, plus aucune information n'a été donnée. Devant l'Opéra, on a pu voir des étudiants, des journalistes, mais aussi des élus. Cette prise d'otage est la plus longue depuis les événements au Liman dans les années 80. Cette manifestation à Lille, comme partout en France, a pour principal objectif de ne pas les oublier. Loïc Blondel était sur place pour Grand Lille TV. 500 jours, c'est énorme. Enfin, même 2 jours ou 500, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment leur porter notre soutien, même si on les connaît pas forcément. On se demande bien où passent les forces et quel est notre rôle là-dedans. Pourquoi ça bouge pas, quoi. Après 500 jours, c'est vrai qu'on peut se poser la question. On en a franchement marre, hein. Franchement marre. On a l'impression que ça n'avance pas, qu'on est... On se dit, si ça tombe, on va arriver 2 cercueils. Il n'y a pas d'infos, on garde espoir, mais bon.